Donc là, on est sur une Nautilus lombaire ischio, donc avec un double réglage. Là, quand c'est réglé trop haut, on peut régler la hauteur de la butée. Ça, c'est le premier réglage, mais sinon, c'est une machine classique. Là où elle est pas classique par rapport aux autres, c'est qu'on peut changer à volonté l'inclinaison du banc. Donc là, on va l'aplatir. Encore un cran, qu'on voit bien, voilà. Donc là, on est beaucoup plus plat. Et on met là au maximum. Donc là, on est vraiment plat, le mouvement est beaucoup plus facile. Mais par contre, c'est bien pour, par exemple, des compétiteurs qui ont du mal à sécher sur les lombaires et les fessiers, pour les compétitrices, mais les compétiteurs aussi. Ça peut permettre de faire des séries de 100. On commence en haut avec un poids, on fait tout ce qu'on peut, on pose le poids, on continue. Et puis quand on peut plus, au lieu d'arrêter, ben on incline encore la machine, ce qui permet de gagner 10-20 répétitions. Et puis quand on n'en peut plus, on fait encore, on l'incline et on fait encore 10-20 répétitions. Et si tu fais ça toute l'année, surtout hors saison, quand tu reprends du poids après une compétition, si tu fais des séries de 100 alors que tes lombaires ils prennent facilement du gras quand tu remanges, eh ben, tu verras que si tu fais des séries de 100 tous les jours, ils reprennent moins de gras. Et quand tu fais ta sèche et que tu continues encore les séries de 100, tu verras que ils vont se trier beaucoup plus tôt dans la saison, enfin dans la saison, dans la préparation. Et ce qui fait que tu économises 2-3 kilos de muscles, parce que tu auras les stries dans les lombaires fessiers beaucoup plus tôt dans le régime, et tu n'auras pas à le forcer comme un malade en fin de régime. Donc c'est une bonne chose pour les compétiteurs ou ceux qui veulent des lombaires.